الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قرة أعيننا بذاته وطب قلوبنا بنوره وشيخ طريقتنا بمعرفته وإمام محرابنا بمحبته السيد الكامل الفاتح لخاتم الناسخ الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد القطر والمطر والنبات صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد يا سيدي يا حبيبي يا شيخي يا معلمي يا سمي يا رسول الله قد ترى مكاني وتعرف حالي ولا يخفى عليك شيء من عمري توصلت بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول طاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك Nous implorons la grâce d'Allah, sa bonté et sa générosité infinie afin qu'il raffermisse notre foi. Qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed. Alayka wa alayka salatu wa salam. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Chers frères et chers sœurs, une autre grâce, une autre bénédiction divine, un autre témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un témoignage d'amour, d'affection, d'assistance spirituelle pour la Ummah du prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam. On vient de finir notre retraite spirituelle, notre formation spirituelle, notre élévation spirituelle, chers frères et chers sœurs. Nous nous sommes montrés plus forts que notre désir charnel, plus forts que les ruses de Shaitan. Plus fort que la passion. Nous avons montré au monde entier que nous avons la maîtrise de soi, qu'on peut se contenir, on peut se retenir, on peut se maîtriser, chers frères et chers sœurs. Alors cette retraite spirituelle, Seyyidna Zakaria alayhi salam, a exercé cette retraite, mais en 3 jours. On peut le dire, on a été plus fort que Zakaria alayhi salam. Zakaria s'est retiré en jeûnant. Ayatuka Allah tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya. En 3 jours. Notre mère Mariam, alayha salam, elle a exercé cette retraite, mais en un seul jour. Alors tous les prophètes qui ont été envoyés ont exercé cette retraite, cette formation spirituelle, en 7 jours. 3 jours. Un seul jour, voilà la Ummah du prophète Muhammad alayka wa alayka salatu wa salam. Pendant 29 jours, ou 30 jours, chers frères et chers sœurs, on a pu exercer cette retraite. On a réussi, chers frères et chers sœurs. Nous nous sommes purifiés, alors le plus dur reste à venir. Se purifier de ses souillures est une chose, mais rester propre et intact est une autre chose.
C'est à nous maintenant de relever le défi. Allah a montré aux anges qu'on peut le faire. Et on a pu le faire. Les anges ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Tu vas mettre sur terre ceux qui vont s'entretuer, ils vont s'entre-déchirer, ils vont verser le sang humain. Et Allah dit, je sais en eux ce que vous ignorez. Nous avons montré à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut l'honorer et on l'a fait, chers frères et chers sœurs. C'est pourquoi le jour de l'Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, on récite beaucoup Allahu Akbar. Est-ce que vous savez ce que j'avais dit, chers frères et chers sœurs? Allah est le plus grand. Il est le plus grand que ma passion. C'est pourquoi j'ai suivi Allah et j'ai laissé ma passion. Il est le plus grand que le shaitan. C'est pourquoi j'ai suivi Allah et j'ai laissé le shaitan. Il est le plus grand que mes désirs. Alors je m'accroche à Allah et je laisse tout derrière moi. Soyez une communauté. Quand on parle de la communauté, c'est l'union des valeurs, l'union des qualités, où on ne tient pas compte des branches spirituelles. Il est Tidani, il est Qadiri, il est Chiite, il est Sunni. On ne tient pas compte de cela. Mais on voit devant nous la qualité humaine. Le musulman tout court, le bon musulman, tous les croyants sont les mêmes. Mais en réalité, tous les hommes pieux sont les mêmes. On ne va jamais voir un homme qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ment, qui médit, qui fornique, qui vole. Alors tout ce qui est celui humain, il va s'en éloigner. Qu'il soit Tijani, qu'il soit Qadiri, qu'il soit Nafshabandi, qu'il soit Sunni ou Soufi, s'il a la crainte d'Allah, il a le même comportement que l'autre qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cette dimension qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous faire accéder chez toi, chez soi. Soyez une communauté. Restez fort devant les épreuves. Essayez de transcender les épreuves avec beaucoup de courage. Vous avez montré au monde entier que vous pouvez le faire, chers frères et chers sœurs. On sort de cette formation et le monde nous regarde. Est-ce que cette formation nous a apporté quelque chose? Est-ce qu'on sentira ce changement en toi dans ton entreprise? Est-ce qu'on verra ce changement en toi en tant que directeur, en tant qu'imam, en tant que chef de famille? Laissez les non-musulmans dire qu'Alhamdulillah, après le mois de Ramadan, mon collègue a changé. Mon patron a changé. Mon mari a changé. Mon épouse a changé. C'est de cela qu'il s'agit. Restez fort. Restez dynamique. Restez spirituellement viril, chers frères et chers sœurs. Nous sommes dans un monde où l'hypocrisie a pris le dessus. Avec le jeûne, vous avez pu régler cela en vous. Vous avez jeûné devant les gens, seul dans la maison, enfermé, avec la nourriture. Vous avez montré à Allah subhanahu wa ta'ala que vous êtes sincère. Ce monde est hypocrite. Ce monde est intéressé. Ce monde ne vise que ses intérêts. Éloignez-vous-en, chers frères et chers sœurs. Ayez des objectifs spirituels. Je dis bien, ayez des objectifs spirituels. Les musulmans d'Abobo doivent avoir des objectifs spirituels pour Abobo. Même si l'islam est politisé aujourd'hui chez nous, appelez les choses par leur nom. Essayez d'islamiser la politique, mais ne politisez pas l'islam, chers frères et chers sœurs. Ayez des objectifs spirituels pour Abobo. Comment est-ce que les musulmans Tijani d'Abobo peuvent travailler avec des musulmans sunnites? Comment les musulmans soufis d'Abobo peuvent travailler avec les musulmans Qadiri? Alors si on forme une communauté musulmane, je dis bien une communauté musulmane à Abobo, on va chercher la solution à mettre cette communauté à la communauté musulmane d'Adjamé. Et elle aussi à la communauté musulmane de Koumassi, à la communauté musulmane de Korogo, et à la fin on aura une communauté musulmane de la Côte d'Ivoire, chers frères et chers sœurs, où on voit l'intérêt de l'islam, où on ne voit plus les hommes de pouvoir,
retranchés dans les mosquées pour leur propre intérêt, où les imams ne sont plus manipulés, où les guides religieux ne sont plus politisés, où les hommes d'affaires musulmans n'utilisent pas les pauvres musulmans pour pouvoir s'enrichir et prendre le dessus, où c'est l'islam qui a le dessus, où c'est l'islam qui est plus fort, où on voit l'intérêt général de l'islam, chers frères et sœurs. C'est de cela qu'il s'agit. Alors vous avez jeûné. Vous vous êtes éloigné de toutes ces hypocrisies, chers frères et sœurs. Restez dignes de votre nom musulman. Regardez le prophète Mohammed Ali Kawa Salatu Wassalam. Quelqu'un qui est venu rompre avec la tradition idolâtre, qui vient dans une société où il y avait 360 dieux. Il a cru en Allah étant seul. Et avec son épouse, ils ont formé un couple musulman parfait. Ils se sont accrochés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec son ami, ils ont formé une amitié sincère. Ils ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, ça a porté. L'islam a pris le monde entier pour dire que la conviction d'une seule personne peut être la conviction du monde entier, chers frères et sœurs. Fraterniser à Allah. Considérez tout le monde comme des êtres humains qui méritent le respect et l'honneur, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa laqad karramna bani Adam » J'ai respecté ou j'ai honoré le fils d'Adam. Arrêtez de vous entre-déchirer pour des branches, à cause des branches spirituelles, chers frères et sœurs. Ne regardez pas le second nom du musulman. Vous êtes des frères. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Allah vous a créé tous d'un mâle et d'une femelle. Et il a fait de vous des tribus, des peuples, afin que vous puissiez vous connaître, chers frères et sœurs. Mais le plus grand d'entre vous, le plus élevé d'entre vous, le plus pieux d'entre vous, est celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, ces signes sont forts. Après la prière, on va se salir, on va se serrer la main. Et en se serrant la main, Allah expie tous nos péchés. On va aller vers les familles pour leur dire une bonne fête, sincèrement. Et ces salutations, chers frères et chers sœurs, expient les péchés. Mais est-ce que les cœurs vont se saluer? Est-ce que les cœurs vont se mettre ensemble, chers frères et chers sœurs? Essayez d'aller vers Allah. Essayez de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous, mes chers frères, mes chers amis étudiants, le monde de demain a besoin de vous. L'islam de demain a besoin de vous. Vous êtes les députés de demain. Restez les députés musulmans. Vous êtes les ministres de demain. Restez les ministres musulmans. Vous êtes les chefs d'État de demain. Restez les chefs d'État musulmans. Alors lorsque vous partez avec votre foi, votre conviction spirituelle, et vous occupez des postes de responsabilité, c'est l'islam qui va gagner demain, Inch'Allah. N'oubliez pas votre objectif. Et ne vous trompez pas d'objectif. L'objectif, c'est l'islam. Le prophète Muhammad alayhi wa alayhi wa salam. Un jour, Sayyidina Jibril alayhi salam est venu trouver le prophète en train de pleurer. Et Jibril demande au prophète Muhammad, qu'est-ce qui te fait pleurer? Le prophète dit, ma communauté. Ummati, ma communauté. Et en ce moment, Jibril dit à l'envoyé d'Allah, Allah me charge de te dire qui te laisse ta communauté le jour de la résurrection. Ce que tu vas décider, c'est ce qui va se réaliser. Alors le prophète regarde Jibril et il dit, Allah a plus pitié de ma communauté que moi. Alors je confie ma communauté à Allah. Et Allah dit au prophète, Izallah yurzik Allahu fihim abada. Allah ne va jamais t'humilier devant ta communauté le jour de la résurrection. Alors le prophète ne veut pas nous voir en rang dispersé le jour de la résurrection.
mais veut plutôt nous voir en grand série. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد أسلم على فهم بركد علي شيطان أقول لكم تسمينا أنسلا أنسلا كان يرمني أنسلا كان سوء en cela qu'on n'a pas la les pis à l'opinion, ou le matelé ou le matelé ou l'opinion. En même temps, en cela qu'on soutient la maya, en cela qu'on domine toi en soka mala, en cela qu'on dit toi en soka mala, en cela qu'on fout un saut et qu'on dit encore, c'est la mort où il y a un rogo yali. N'a pas la bata ma dit rogo, ou les mots et mille fins et toi et la cari, en cela qu'on fait. C'est la mort à une totine. Aya nga badia ke ay ñoom miné aya la ñini ke aya commune be se ka bon no wala slama ya to wala chomina ni tugu ñemo mi yalla ñini slama ya ta ñe ya rabbi ala ka li rede mi ni tugu president mi yalla ñini slama ya ta ñe ala ko fene deme ala ka to politicien ye se ka am faga ñoom ka slama ya ko no me ala ko no ke lam ye ka faga ka ko du ñoona. Mais cela m'a rien réuni. Côte d'Ivoire, à Tidjanou, Kanga, Nyenyini, Olouni, Sunamo, avec quel est Tchoumina. Sunamo, Kanga, Nyenyini, Olouni, Soufou, avec quel est Tchoumina. Parce qu'un père a soumis à l'autre, les hackers, quel est le nom. Un père a gagné 5 euros, magasin, lequel est le nom. Un père a gagné 5 euros, quel est le nom. J'ai un père de quel est le nom. J'ai un tiré nos matchs en main. Kadovere chuo lugma o, jaa anga kugana kile nikala, anga kugana kile netafsiri kile, jaa shaitana le kubefika huko duniani tuno, slama o ainyoni ni, aiyaya pende yake, aiyaya nyingi ni kanya don, ambese kafika nyonga, kake kuluba kile chuo mina apu slama ya kono, olani apu boka do villa, kwa befemfo, tijani ya mami mai. Suna mwa de wili ga fanya na koni teke anfa abubuya. Ni to wila, kwa befemfo suna mami mai, tijani do wili ga fanya na koni teke anfa abubuya. Au manga balmaya la, baby gata srala, ala koko jama kelele vina kisi al-kiamadu, inna akramakum inda Allahi atukaku. Mi srana alanye, ule vina kisi, otmana alanye srana mwa bechuro ekele. Niga alanya sanya mo tijani niga kadiri niga sufi niga sunna mo yi ibeta solo a pe juro e kele parce que juro flatte alanya sanya la juro kele le go ay yoro mini ay kenyo fe ay do takele ay ko takele am balma e kol deu sini jamana jigi e audi asela ka to e kol la ka alaye. Asela gato ekol la ka souvenir alala wallahi asumo wena na to ekol la wati mina o hakili kuteni na o ma mi ri ko na to na ka mena na ala ko ke ma ga ala ko ke university la fo asela ka misri jo university la ama ga al ma mi fo ka be fo ma yi sabali tondo jamana ma ko mena sama amina politiki ke ko re anga la nyini. Aïe to politique la kake, aslama la maga, aslama ya loi ou voté, assemblée pour nous. Aïe to ala kake, aslama la maga, anga jamana pour nous mousseau flatte ta, jamana ma soroma. Mais jamana to ko loi voté ou fein, anjigye aude. Aude me se ko ke, aude sini ministre ouye, a me se ka tarano conviction yin. Au désigné président, il y a un djigibé aucun sini à étanaga limaniaï. Natala do pingo la ni slamayata maka abolo tuwa ka slamayat jamfa. Aga ala jamfa, aga ala kot jamfa. Ina fo anyebe adou la bichoumina. Ame to okanga jamana ya rabbi ala ka nyesma. Jamana nyemogo ala ko benkelema. Jamana bagakela wa ala ko benkelema. Jamana nyemogo ni dina nyemogo ya rabbi ala ka limaniata anu bema. Ala ka mbeke ala koke bai fantan wa ala ko hina do setibula sumalo chama bi ala fe ya rabbi ala ka do shigono
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين وادخلنا الجنة مع الأبرار آمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين اللهم إنا نعوذ بك من جهة البلاء آمين ودرك الشقاء آمين وسوء القضاء آمين وشماتة الأعداء آمين يا محمل الحول والأحوال آمين حول أحوالنا إلى أحسن حال آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا واليسر والرزق والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الضر والعسر والضيق والتعسير وتكن لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير صلاة تملأ العرش وما هواه ويقوم بيننا وبين كل ضر وذي ضر ومن نواه نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين جزى الله عنا سيدنا محمد الله واهله جزى الله عنا سيدنا محمد الله واهله آمين. جزى الله عنا وعن الإسلام والمسلمين سيدنا محمدا ما هو أهله آمين. والحمد لله رب العالمين الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله السلام عليكم ورحمة 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 الله
Amen.